faut lire. Mais peut-être devriez-vous envisager des lectures plus substantielles. Jolie. Ouais.
toutes les procédures de combat. Vos actions pour les entraîner un baisser. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de violence. Les ennemis s'éloignent. J'ai subi des dégâts considérables. Vous devriez vous lever.
Génial. C'est bon. Je me suis fait toucher. Activation des défenses secondaires. Pourquoi faut-il que tout soit si dangereux ici? Veuillez cesser les hostilités. Veuillez cesser les hostilités.
tendances violentes réduisent considérablement l'espérance de vie. J'y suis. Attention. Protectro rapport. Protéger et servir. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie.
Je vois que vous avez un don pour la mécanique. Si vous trouvez le point de préparation, je vous ferai appel à vous. Ça y est. Coral, c'est moi. Je sais que t'es là, alors ouvre. Les gars t'ont vu là-haut hier. Écoute, ils vont pas t'attendre, et moi non plus. On part au matin, alors arrête de jouer les ermites et ramène tes miches au campement avant le lever du soleil. Bordel, on disparaît pas comme ça. Je me fous de tous les pièges que t'as pu mettre, Coral. On est toujours là. C'est ton mioche, pas le mien. Tu ferais mieux de réfléchir un bon coup et de venir nous retrouver quand t'auras fini tes conneries. Peut-être que t'as compris un truc il y a longtemps et que je me rends compte que maintenant. C'était injuste, Coral.
S'il n'y avait pas ce gosse. Oui, on va y aller. Je commence à avoir faim aussi. Et il n'y a rien pour nous ici. Viens. Ouais. Thank you.
J'ai éliminé les ghouls qui s'en prenaient à la colonie. Content d'entendre ça, Général. Ça fera déjà un souci de moins pour les habitants de cette colonie. Tant que vous êtes là, j'ai autre chose à vous dire. J'ai, si possible, essayé de trouver d'où viennent ces salopards et liquidez-les. Trouvez-les. Excusez-moi. Merci de nous avoir aidés à les repousser. Je déteste les pillards. Je les tue chaque fois que j'en ai l'occasion. Heureusement que vous êtes de notre côté. Bref, on est reconnaissants.
Je veux juste échanger quelques trucs. Allez-y. Je pense avoir détecté un comportement anormal. Je vous déconseille de continuer les hostilités. Sans un seul dommage. Quelle chance! Un placard à balai. Pas fou.
que nous avons de la compagnie. Ennemi détecté. Y'a quelqu'un ? Les chances de victoire sont quasi nulles. Mouvement détecté ? Curieux. Mes capteurs doivent être trop sensibles. Il y a quelqu'un ? C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. Les capteurs détectent une présence ennemie. Identité inconnue.
Il y a quelqu'un non loin d'ici. Ses intentions sont peut-être amicales. Arrêt des procédures de combat. Toujours dans des normes acceptables. Message à l'attention de Buster Connolly. Chouette article que vous avez écrit sur le projet de construction du monorail. L'autoroute du ciel, l'œuvre du diable. Il y en a qui manquent pas d'inspiration. En revanche, vous avez un truc de bon. Alice Lansky, qui était chargée des inspections de sécurité, a bien été tuée. Et on la retrouvera jamais, parce qu'il reste rien d'elle. Le cafard nous attaque! Cet endroit est d'une telle violence! C'est bon.
Hancock. Alors, on se remet en route, c'est bon? Allons-y. Ça marche. Vous êtes un spécimen si fascinant, monsieur Hancock. Hé! Vous avez toute mon attention. Justice a été rendue. Sinjin, ce félon, ne fera plus jamais de mal à personne. Et voilà. Adieu le grand méchant Sinjin. Cette ville va pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ou trois pour certains. Au moins une nuit de plus. Voilà pour vous. Vous l'avez pas volé. C'est bien aimable. On a vu couler un peu trop de sang récemment. Arrangez-vous pour arrêter l'hémorragie, et on vous accueillera toujours à bras ouverts. Pardon. Avez-vous un peu de temps? C'est très important pour moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une affaire personnelle. C'est au sujet de... Je contrôle encore moins bien mes émotions qu'avant. Et vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous aimez trop taquiner la pauvre petite Curie. Mais ce n'est pas seulement avec vous. Il suffit de me dire que je suis bien coiffée et je suis troublée. Je reste perplexe. Parfois, les gens font des remarques étranges, déplacées même, ce qui me rend encore plus perplexe. Pourquoi font-ils ça? Ça arrive tout le temps, il va falloir t'y faire. Ça, c'est un bon conseil. Ah, je vais devoir apprendre toutes ces subtilités si je veux pouvoir avancer dans mes recherches. Salut. Vous avez besoin de moi, madame? J'aimerais que tu m'accompagnes à nouveau. Dans ce cas, allons-y. Bon. Tu vas réussir à tenir le coup? J'ai lu toutes les publications disponibles sur le sujet. Est-ce que ça suffira?